C'est top. Du coup, je suis hyper contente de vous voir. J'aurais aimé qu'on fasse une présentation de FACE. Quelle est la mission de FACE et surtout quels sont vos engagements? Parce que je pense que c'est ce qui vous distingue énormément. Allez-y, dites-moi tout. Bien, bonjour à tout le monde. Du coup, FACE, en effet. Alors, je crois que vous êtes mute aussi. Non, je pense que ça va. Alors, attendez. Non, c'est juste notre tour qui n'est pas bon. Ok, alors non, c'est bon non. En fait. C'est bon, désolé, petit souci technique, ça arrive, surtout en live. Oui. C'est ça, c'était notre tour qui n'était pas bon, mais je pense que l'audience vous entendait très bien, pas et de soucis. Écoutez, c'est bon. Allez-y. C'est parti. Du coup, FACE Fondation Agir contre l'exclusion. Donc, nous sommes FACE Hérault, donc situé dans l'Hérault, donc Montpellier, pour situer pour ceux qui ne voient pas trop où est l'Hérault. Donc, on est, notre spécificité, c'est qu'on est un club d'entreprise engagé sur des valeurs sociales et sociétales, de lutte contre toute forme d'exclusion, de discrimination. Et du coup, c'est les entreprises qui se sont dit que, en tant qu'entreprise, elles avaient un rôle à jouer sur les territoires. En fait, pour lutter contre toute forme d'exclusion, de discrimination dans les champs de l'école, de l'éducation, donc de l'emploi, d'accès aux droits. Voilà, donc ce sont toutes les missions que FACE et FACE Hérault portent spécifiquement sur son territoire. Donc, comme je le disais, la spécificité, ce sont que les entreprises s'engagent dans le cadre de leur responsabilité sociale et sociétale et qui vont donner du temps bénévolement dans chacune des projets, dans chacun des projets, des actions que nous menons. Et l'une des spécificités aussi, et d'où notre école du numérique Up to by Simplon qui est née il y a 5 ans, c'était de se dire, ça c'était une entreprise particulièrement du territoire impliqué chez nous, un partenaire depuis toujours qui était Dell Technologies, de dire sur le territoire, il y a des besoins énormes sur les métiers du numérique. On a un taux de chômage qui est assez élevé par rapport à la moyenne nationale. Et finalement, l'idée, c'était de trouver quel était le moyen de faire rencontrer en fait, ces deux mondes. Et de, notamment d'amener les publics qui n'ont pas l'habitude d'aller vers ces métiers-là, qui n'ont pas un parcours classique dans une filière avec un niveau ingénieur, niveau Bac plus 5, mais du coup de se dire on va donner une marche supplémentaire pour pouvoir accéder à ces métiers du numérique qui ont un vrai potentiel d'avenir et de durabilité en termes d'emploi. Du coup, il y a des entreprises en fait hein, qui portent le projet également. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous voulez peut-être citer éventuellement pour qu'on puisse voir qui sont du coup, les entreprises qui s'engagent dans cette démarche-là? Alors, particulièrement, donc, on a des soutiens, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, très forts de la part de Dell Technologies, qui notamment donc, met à disposition et finance des PC pour chacun des apprenants de chacune de nos promotions. Qui accueille aussi en fait la promotion régulièrement dans ses locaux. En fait, c'est une école itinérante qui permet en fait d'aller d'entreprise en entreprise pour aussi être directement immergé dans chacune des entreprises et favoriser le lien entre les apprenants et les salariés. On a également Montpellier Business School, qui est l'école de commerce de Montpellier, qui nous accueille là actuellement. La promo est accueillie chez eux jusqu'en décembre. Voilà, donc avec aussi tout le lien avec les étudiants, les enseignants qui se fait au sein de l'école. Et puis on a un partenaire aussi très fort et qui nous soutient financièrement, qui est AG2R La Mondiale, voilà, qui une entreprise aussi adhérente de FACE Hérault et qui nous soutient sur cette nouvelle promotion qu'on vous présentera tout à l'heure. Et puis après, on a des écoles locales comme Epitech qui sont aussi des soutiens, des implications qui se font dans des applications très concrètes, participation au jury, de sélection. Et puis, on a tout un pool d'entreprises qui vont intervenir 2 heures, 3 heures sur tel ou tel sujet. Donc, on a plus d'une quarantaine d'entreprises impliquées sur la formation. Et puis, on a notre partenaire aussi, Simplon, voilà, sur lequel on s'est associé dès le départ dans le cadre de cette école, sur la pédagogie propre à Simplon pour aussi amener les publics éloignés du monde du numérique. Désolé, on est obligé de se muter. Il y a un petit moment. Du coup, je vous disais, il y a une véritable mission de lutte contre la précarité numérique, finalement.
je pense que vous êtes assez investi là-dedans. Est-ce que vous avez déjà eu des témoignages qui vous ont alerté sur ce type de situation? Je pense que c'est un vrai sujet d'actualité et ce serait bien qu'on puisse en parler assez rapidement, mais au moins qu'on puisse mettre les mots dessus. Oui, bien sûr, c'est un sujet, c'est la question de la précarité numérique, puisque du coup, ben, le numérique est transverse aujourd'hui à toutes nos activités, elle est transverse à la fois dans le monde de l'entreprise, mais aussi touche directement en fait les individus dans le cadre de démarches d'accès aux droits qui aujourd'hui se font pour la plupart via les outils numériques. Donc, on porte aussi, nous, en interne, par exemple, un café social numérique pour aider les publics à faire leur démarche d'accès aux droits et à les former sur des ateliers qui vont de la prise en main, finalement, de l'ordinateur à une démarche aussi d'e-administration. Et puis, globalement, aussi, on sait qu'aujourd'hui, les compétences numériques sont un vrai facteur d'employabilité. Et donc, du coup, l'idée aussi est d'amener, en fait, des publics demandeurs d'emploi à acquérir ces compétences-là pour pouvoir aujourd'hui accéder à d'autres métiers, à des métiers qu'ils ont aussi actuellement, mais dont il manque un certain nombre de compétences pour pouvoir aujourd'hui répondre aux besoins du marché. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, forcément, vous dispensez d'un grand nombre de formations. Sarah, s'il est possible de faire un petit tour des formations avec vous et peut-être expliquer lesquelles sont labellisées Gênes, Grande École du Numérique. Oui, bien sûr. Alors actuellement, on dispose d'une formation labellisée Grande École du Numérique. C'est la formation qu'on lance actuellement de référent digital. Et donc, pour la transition, je vais vous présenter un peu plus ce métier de référent digital parce que ça colle vraiment bien avec l'actualité aussi. Donc le référent digital, il va être en capacité d'accompagner justement les entreprises dans toute cette transition numérique. On l'appelle un peu le couteau suisse du numérique. Donc il va être formé sur la création, la mise à jour de sites internet, sur la maintenance en interne et l'installation de logiciels. Il va être aussi en capacité de communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, et tout ça en emmenant justement les collaborateurs des entreprises. Donc, il va vraiment avoir un rôle de conseiller. Et donc, cette formation-là, elle vient de débuter pour la deuxième année et elle dure 7 mois à temps plein avec 4 semaines d'immersion en entreprise. Super cool. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va à la session de questions qui suit l'intervention de Sarah et Olivier. Donc, n'hésitez pas à poser derrière nouveau spécifiquement pour la fin. Et si vous êtes de l'Hérault aussi ou de la région, on est content de le savoir dans le chat. On ne sait pas quelle audience on a dans cette région-là. Manifestez-vous si vous êtes du sud de la France au minimum, c'est déjà pas mal. Exactement. Oui, et je voulais vous demander, vous faites des masterclass et de l'accompagnement du coaching à l'emploi. Est-ce qu'on peut en parler et voir ensemble comment ça fonctionne? Parce que je pense que certaines personnes sont peut-être dans des situations qui seront plus précaires, ou en tout cas qui n'ont pas eu cette sensibilité-là, ou même juste cet accompagnement. Donc, s'il est possible de faire du coup un petit topo avec vous sur ce que vous faites, quelles sont vos démarches, je pense que ça va aider pas mal de... Bien sûr. Alors, effectivement, il y a cette formation technique de référent digital, mais juste la plus-value et la différence par rapport peut-être à d'autres formations, c'est qu'il y a vraiment la volonté de mettre l'entreprise au cœur de la formation pour justement répondre aussi à notre rôle face héros. Il y a plus de 100 heures dédiées à l'insertion professionnelle des publics pendant ces 7 mois. Donc, comment ça se manifeste? Donc, dedans, on va mettre des masterclass. Donc, effectivement, en tant que coordinatrice, je vais mobiliser des entreprises du réseau pour animer des masterclass sur différentes thématiques qui vont venir compléter le programme de formation, mais ça sera animé par des collaborateurs d'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment que les apprenants puissent déjà, dès le début, être en lien avec des entreprises de l'écosystème du digital et construire progressivement leur réseau professionnel. Donc là, pour vous donner un exemple, cet après-midi, il y a une intervenante qui va animer une intervention sur la e-réputation. Donc, ça va venir compléter vraiment le programme de formation. Il y a aussi beaucoup de coaching, effectivement, pour préparer les apprenants à la sortie de la formation, pour qu'ils soient vraiment employables rapidement.
Donc, ça va être coaching sur la confiance en soi, sur des simulations d'entretien. Et tout ça, c'est animé aussi par des collaborateurs d'entreprise. Par exemple, il y a eu aussi, pendant les 15 premiers jours de Prairie, donc cette période d'intégration, un collaborateur qui est venu animer une séance sur la gestion de conflits, donc pour leur apprendre un petit peu à gérer tout ça au quotidien. Ouais. C'est vraiment une réelle volonté. Et parallèlement à ça, ça va être aussi du suivi individuel pour chaque apprenant pour construire le projet, mais aussi peut-être lever des freins périphériques qui pourraient empêcher les apprenants de bien suivre le déroulé de la formation dans des bonnes conditions. On a une question d'un viewer qui n'est pas basé dans la région Hérault. La fondation FACE, elle est présente partout sur le territoire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres clubs d'entreprise Oui, on a plusieurs clubs d'entreprise sur tout le territoire national. Donc, on a une cinquantaine de clubs sur tout le territoire national, voire à l'étranger. Tous les clubs FACE ne portent pas l'ensemble des projets. En fait, ça va dépendre en fait des partenariats, des besoins du territoire. Et puis, nous, on est historiquement un club très innovant et avec pas mal de nouveaux projets. Donc après, il faut se renseigner sur le territoire et directement contacter le club FACE en direct, parce qu'on n'est pas au courant forcément non plus de tout ce qui se fait sur l'ensemble des clubs FACE, mais il y a plusieurs clubs FACE qui portent des écoles du numérique également sur le territoire, donc faut pas hésiter à aller de toquer et aller voir s'il y a ces formations qui aussi y répondent. Super. On va reprendre la session. Est-ce que tu veux une dernière question pour FACE? On reprend une session de questions avec tous les intervenants. Je pense qu'on peut peut-être parler de ce que vous faites dans le cadre de l'Open Gen. Si vous faites des animations, ouais. Quelles sont-elles? Comment on fait pour vous retrouver et participer? Alors oui, effectivement, on va y participer mardi prochain, après-midi. Mmh. Donc on s'est positionné pour... en visio, du coup, pour que les apprenants puissent présenter leur formation, du coup, aux personnes intéressées, avec une petite présentation assez dynamique. Et puis après, derrière, il y a certaines personnes qui se sont positionnées pour faire des témoignages de leur parcours et de leur reconversion professionnelle pour justement montrer que c'est possible, et notamment pour faire le petit clin d'œil avec la question de tout à l'heure, des personnes qui ont plus de 40 ans et qui souhaitent faire une reconversion professionnelle, ben c'est possible. On en aura la preuve mardi prochain avec des témoignages. Et on a même fait l'Open Gen un peu avant, même si ce n'était pas directement dans l'Open Gen, puisqu'on a reçu la semaine dernière un groupe de jeunes d'une mission locale proche de chez nous qui est venu directement dans les locaux. Et du coup, les apprenants ont animé un atelier pour leur montrer ce qu'ils faisaient, tout ça. Donc, il y a vraiment une interaction. Et donc, c'était vraiment des jeunes qui étaient préparés, qui avaient déjà un projet ou qui se projettent dans les métiers du numérique. Et du coup, ça a été vraiment intéressant qu'ils puissent aussi toucher de plus près ce qu'est ce métier-là, rencontrer du monde, des possibilités qui s'offrent aussi à eux pour plus tard. Donc, voilà. Donc, on ouvre la semaine même en amont. Super, du coup je vais faire remonter tout le monde sur la scène. Stéphanie, je vais te faire remonter sur la scène. Guillaume était toujours là, il avait juste caché sa caméra, il est tellement efficace. Et Valérie est là. Valérie est sérieuse, elle porte le masque dans un bureau fermé. Il y a d'autres gens dans ton bureau. Benoît Rochin-Robard a posé une question, mais il l'a posée de manière ironique, donc je ne peux pas la montrer. Il faut que tu la reposes dans le bon sens, Benoît. Oui, Benoît, tes questions sont pertinentes, mais voilà. on a un bonjour du gars. On a Fabrice qui nous dit qu'il est en contact avec une entreprise de Montpellier et qu'il ira voir Corinne. Alors, c'est Corinne Machavert qui est en commentaire et qui aide les personnes à se relocaliser, à trouver un appartement particulier. Et on a Ced Flamme, alors je ne sais pas s'il il représente les flammes cuches ou si c'est juste son nom, mais pour l'immersion, je confirme que c'est un super tremplin. Je viens de trouver un job parce que j'étais en immersion depuis 3 semaines, ça a suffi à mon employeur pour prendre un contact avec moi. Mmh. Alors l'immersion, c'est le dispositif qui s'appelle aujourd'hui la PMSMP, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais dans le cadre justement de notre école, les apprenants vont 4 semaines en stage. Et c'est vrai que c'est un réel tremplin, hein. On le voit, on l'utilise même dans d'autres actions de FACE Hérault. Ça permet vraiment à la personne de,
de déjà de passer la barrière du CV selon si la personne n'a pas eu d'activité pendant plusieurs années, etc. Il est directement immergé. Et puis là, il a vraiment la possibilité de mettre en avant ses compétences pendant les 4 semaines. Et pourquoi pas, du coup, après, être contacté pour un contrat, un remplacement. Ou, voilà. Donc, c'est vrai que nous, on s'en sert comme, au quotidien. Et il faut savoir que tout demandeur d'emploi peut aller solliciter une PMSMP en allant voir son conseiller Pôle emploi en disant ben, « j'ai une entreprise que j'ai repérée qui m'intéresse, j'aimerais de l'intérieur mieux connaître ses métiers ou c'est une entreprise que je vise pour justement demain trouver un job, eh ben, on peut aller solliciter une PMSMP. Voilà, c'est un CERFA qui est à remplir et du coup qui permet aussi pendant cette durée-là d'être couvert au niveau de la sécurité sociale, etc. Et d'avoir cette période d'immersion, puisque quand on n'est plus en formation, eh ben, on ne peut pas avoir de stage directement. Donc, c'est un vrai levier. Et faut, moi, je conseille vraiment à toute personne voilà, en recherche d'emploi et qui vise des entreprises en particulier à aller solliciter ce type de stage d'immersion via la PMSMP. Super. Pierre est arrivé. C'est le prochain intervenant. Pierre, si tu me fais un pouce comme ça, je te fais monter sur la scène pour que tu prennes des questions avec nous. Il a fait un pouce. Il a fait un pouce. Super cool. Ah, bon. Il y a Valérie99 qui me dit que je parle toujours du PMSMP. Rayed qui est content qu'on soit plus de 60 personnes. Oui, effectivement, on est très nombreux sur Twitch. En fait, ouais. Tout flux confondu, on est à plus de 100 en ligne. Là, c'est effectivement un de nos records. Et on a plus de 500 personnes qui sont déjà passées sur le stream à ce moment-là de l'intervention. C'est déjà super cool. Mmh. Alors, je sais pas de quoi parle Cédric, mais je crois qu'il parle des flancuches encore. Hein. Non, c'est là, ils sont toujours en recherche. Ah, c'est la PMSMP. Oui, non, si, la PMSMP. Parce qu'il a fait des vannes sur les flancuches aussi avant. Le sujet avant, ça s'appelait le mois d'immersion en entreprise. C'est difficile pour les formations ou pour les pôles emploi de trouver des entreprises qui accueillent ce type de personnes. Est-ce que vous avez une recette secrète pour convaincre une entreprise d'accueillir des gens en immersion? il faut y aller. Faut tenter. On se prend des portes aussi, hein, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette. Non, faut essayer, faut tenter. Il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à prendre aussi des gens pour faire découvrir leur métier, leur entreprise aussi de l'intérieur. Donc, c'est plus des fois des freins qu'on se met soi-même, mais il faut, voilà. Et puis après, via le réseau, via des connaissances aussi, faut pas hésiter à aller, utiliser son réseau personnel pour aller chercher des immersions. Mais moi, si on a un conseil à vous donner, c'est d'y aller et de pousser la porte, quoi. Il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à ouvrir leurs portes. Alors, il y a eu pas mal aussi de conversations et d'échanges autour de la rémunération quand on est en contrat pro ou en contrat d'alternance. Est-ce que vous avez une façon d'expliquer de manière simplement comment sont calculés les minimums de rémunération ou les rémunérations dans les contrats d'alternance et d'apprentissage? Il faut que quelqu'un prenne la parole. Je sens. Ça dépend de l'âge du participant, de sa situation familiale. Donc, il y a des grilles et en fonction, en fait, on a la rémunération qui correspond. Donc, si on a des enfants, si on est jeune, si on est un peu moins jeune, ça va varier. Mais en tout cas, il y a. Oui. En tout cas, il faut savoir qu'en ce moment, avec le plan relance lancé par le gouvernement, l'alternance et l'apprentissage notamment est vraiment boosté. Et notamment, donc il y a vraiment des aides à ce niveau-là côté entreprise et côté aussi, c'est une vraie possibilité aujourd'hui pour les personnes en recherche d'emploi de solliciter ce type de contrats qui sont un vrai levier aussi d'insertion durable. Donc il faut là vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement ou un jeune une solution qui est notamment pour le plan relance des jeunes qui permet vraiment, vous avez en quelques lignes les infos qui vous permettront d'aller solliciter l'entreprise avec si elle n'est pas encore au courant, parce que du coup il y a une grosse campagne de communication sur ces aides là mais sachez qu'il faut mieux être aussi au courant de son côté pour aller argumenter au côté entreprise. Ok, alors Pierre, tu es muet, il faut que tu te unmute pour qu'on puisse entendre parler. Bonjour Pierre. Bonjour à tous.
Du coup, pour le contrat d'apprentissage, le co-atlas nous a dit qu'ils avaient plus de 25% de contrat par rapport à l'an dernier sur le contrat d'apprentissage. Et effectivement, il y a une aide exceptionnelle qui est de 5 000 euros sur une subvention sur la première année pour un apprenti qui a moins de 18 ans et de 8 000 euros pour des apprentis qui ont plus de 8 ans, plus de 18 ans. Est-ce que vous faites de l'apprentissage chez Pop School? Est-ce que tu as vu une augmentation du nombre de contrats cette année aussi de ton côté, Pierre? Alors, c'est un vrai sujet en ce moment, en effet, comme tu le disais, avec les aides et les incitations du gouvernement pour favoriser l'apprentissage. On n'en fait pas chez Pop School jusqu'à présent, mais on en fera l'an prochain. Donc, super cool. Donc ce sera une actu que je viens de dévoiler, donc qui sera mise en œuvre l'an prochain. Et on le fera parce qu'on voit que les entreprises sont hyper demandeuses et qu'il y a du vrai potentiel aussi pour les apprenants et que c'est un format qui marche très, très bien.